Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser, mais une utilisation de base, de WSUS Package Publisher en faisant un déploiement d'un MSI d'une façon très simple, la mise à jour d'une application et le déploiement aussi d'un exécutable. Donc pour la première étape, nous allons voir comment faire le déploiement d'un MSI. Donc nous sommes sur notre serveur WSUS ou WPP. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite tout simplement à aller sur ma vidéo qui va vous dire comment faire l'installation et la première configuration de notre WPP. Donc je suis sur mon serveur. La première des choses que je vais faire, je vais créer un répertoire qui va contenir toutes mes applications que je vais vouloir déployer. D'accord ? Ça va être le mieux, ça va être le plus facile. Alors pour faire notre test, j'ai utilisé le programme 7-Zip qui est connu dedans. C'est un décompresseur gratuit. Il nous est livré soit en exécutable, soit en MSI. J'ai pris forcément la version MSI. Si vous regardez aussi la version, c'est une vieille version. C'était fait exprès puisque après c'est cette version-là que je vais faire la mise à jour. Donc je lance ma console WPP, je me connecte au WSUS. Alors de base, je fais vraiment une installation de base, donc sans rechercher quoi que ce soit dedans. Ne vous inquiétez pas, on va voir les fonctionnalités un peu plus tard ou les options que l'on va pouvoir faire. Donc je vais créer une mise à jour. Je lui donne où est-ce qu'il est mon MSI ou mon exécutable, enfin le programme que je veux faire, que je veux déployer, pardon. Comme c'est un MSI, forcément, il arrive à lire certaines informations. Il suffit de le compléter avec le nom du produit et une description. Alors comme je vous dis, dedans, comme j'avais fait une installation de base, je n'ai pas fait normalement ce que j'aurais dû faire, étant donné que là j'ai utilisé la version 64 bits, c'est au moins mettre comme condition, vérifier que le processeur est en 64 bits. Je ne l'ai pas fait, mais dans votre environnement de production, je vous conseille fortement de le faire. Donc je mets un code 0 qui va dire qui ne nécessite pas de redémarrage. Et c'est ici où j'ai tout mis de base. Donc nous sommes en train de faire un point cab qui va être publié sur notre serveur WSUS. Comme c'est un petit programme, forcément c'est assez rapide. Si vous prenez un gros programme, ça sera plus long. Voilà, la mise à jour a bien été publiée. Maintenant il va falloir faire l'approbation de cette mise à jour. Un peu comme dans notre console WSUS, j'ai mes mises à jour, il va falloir l'approuver. Ben là, c'est un package ou un paquet dedans où il fait la même chose. Donc, on va lui dire dans quel groupe WSUS on va l'appliquer. Voilà, ça a été publié. Maintenant, nous allons voir sur notre poste de travail ce que ça va donner. Alors sur un poste de travail, on a une tendance en général à vouloir aller assez vite. Je le publie et sur le poste de travail, je fais une recherche tout de suite. Il faut lui laisser quand même 3-4 minutes le temps que tout soit bien publié. Donc je fais une recherche de mise à jour, quelque chose de classique. Je force, parce que sinon j'aurais très bien pu attendre, mais pour la vidéo, on fait une recherche. Voilà, il a découvert qu'il y avait une mise à jour qui était faite. Quand on vérifie c'est quoi la description, on voit bien que c'est notre 7-Zip. Et c'est le processus après de WSUS qui rentre en ligne de compte avec son agent à lui. Donc il crée un instantané pour faire un retour en arrière et il installe l'application. La mise à jour a été faite. Pour lui, en tout cas, c'était un succès. Maintenant, on va s'assurer que ça soit le cas.
C'est bien le cas, 7-Zip a bien été installé et il fonctionne. Pour la deuxième partie de cette vidéo, nous allons faire la mise à jour d'une application. Donc on va prendre la version toujours de 7-Zip, mais on va utiliser la mise à jour donc dans la version 16. Je ne me souviens plus du numéro. Donc encore une fois, j'utilise le même principe, je mets mon application dans mon répertoire. Puis comme là j'ai décidé que ça serait une mise à jour, ce qui va être important de faire, je vais vérifier, m'assurer qu'il y ait déjà un 7-Zip qui est déjà installé. Sinon ça ne s'appelle plus une mise à jour, ça s'appellerait tout simplement faire un déploiement d'application. Alors comment on va faire cette partie-là ? Ils vont nous fournir des outils pour ça, qui est très bien fait. Donc j'utilise le bloc-notes, c'est pour simplement connaître le numéro de MSI. Donc j'ai un MSI Reader. Le MSI Reader va me permettre de connaître le numéro de MSI, de l'ancienne version et de la nouvelle version. Donc je fais un copier-coller, tout simplement. Ça sera la version 9.2, qui était l'ancienne version. Et la nouvelle version. Je vais avoir besoin de ce numéro de MSI, justement, pour y mettre mes conditions, qui va dire, je peux installer cette version-là seulement si ce programme-là existe déjà. Une fois qu'on a repéré ces numéros, on va créer une nouvelle mise à jour. On lui donne le programme, l'exécutable ou le MSI. Encore une fois, je vais y mettre le nom d'un produit et sa description. Par contre, là, je dis bien que c'est une mise à jour et que ce n'est plus une application. Encore une fois, je dis qu'il ne faut pas redémarrer. Donc ici, je suis en train de mettre la condition qui veut dire de ne pas réappliquer. Tout simplement, donc, si ce programme est déjà installé, donc il va faire une vérification. Si ce programme est déjà installé, je ne le réinstalle pas. Et c'est ici où je fais ma condition qui va dire, et si j'ai le droit de l'installer, uniquement si la version 9.2 est déjà installée. Encore une fois, la mise à jour a été appliquée. Maintenant, ce qu'on voit, on voit deux applications, la vieille version et la nouvelle version. Donc, ce qu'il faut faire, ça va être tout simplement de dire on n'autorise plus la version 9.2, forcément, et on autorise la version 16. Donc après, c'est comme pour l'autre application. Donc de retour sur notre poste de travail, on voit que pour l'instant j'ai bien la version 9.2 qui est installée sur mon poste. On va faire une recherche avec un Windows Update. L'application a déjà été publiée, enfin on va faire une recherche. Voilà, une application. On
voit ici que c'est bien la version 16 qui est présentée. Mais au lieu de faire la mise à jour comme j'avais fait pour l'autre, je voulais simplement tester pour voir est-ce que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que ma condition qui disait que l'ancienne version doit être installée, elle est bien là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors forcément en production vous n'aurez pas besoin de le faire cette partie-là, mais comme je voulais le tester et vous montrer comment ça fonctionne, ben, je prends la version 7-Zip, je le désinstalle. Voilà, c'est fait. Et après, je vais faire encore une fois une recherche de mise à jour. Et voilà, il nous dit que notre Windows est bien à jour puisque je n'ai pas rempli mes conditions. Mes conditions étant, je dois avoir déjà un Windows, un 7-Zip d'installer pour le faire. Alors je vais aller l'installer, la vieille version. Et on va refaire une recherche. Théoriquement, il va bien nous le dire. Tiens, il y a besoin d'une mise à jour. Et c'est bien le comportement que l'on voulait. La mise à jour est bien là, c'est bien la bonne version. Et c'est parti pour faire l'installation. Une fois que ça a été installé avec succès, on n'a plus qu'à vérifier est-ce qu'on a la bonne version. Oui, c'est la bonne version. Ça a bien fonctionné. Pour la dernière partie, maintenant, nous allons voir comment faire le déploiement d'un exécutable. On a toujours fait à partir d'un MSI, qui est quand même relativement simple, parce que c'est quand même bien fait, là-dedans, l'exécutable. Alors, pour que ça puisse fonctionner, forcément, il faut connaître au moins sur notre exécutable la façon d'installer en mode silencieuse pour que l'utilisateur ne voie rien. Donc encore une fois, je me branche sur ma console WPP, je crée une mise à jour, je lui donne là mon exécutable. Alors pour faire le test, j'ai pris tout simplement les outils VC++ dans la version 2010 pour le 64 bits. Donc là, vous voyez, il n'arrive pas à trouver aucune information dessus. Donc, je lui dis que c'est un déploiement. Je suis obligé de lui dire le 0 qui va dire que c'est un succès. On n'a pas besoin de redémarrer. Et en bas, ça va être de mettre les arguments pour faire que ça soit silencieux. Ça va être de trouver un peu, ça va être votre boulot de trouver, mais il y a plusieurs sites internet qui nous permettent de savoir c'est quoi le mode silencieux. On fait le suivant. Et c'est ici où j'avais décidé de faire une sélection pour dire tiens, mon processeur ou mon système d'exploitation doit être en 64 bits. Vous voyez que c'est relativement simple à faire. On
fait suivant. Toujours le même processus. Il crée le package, tout le paquet. Il le met à jour dans notre WSUS. Et on autorise le déploiement. On teste ça maintenant sur notre PC. On vérifie avant que je n'avais pas la mise à jour. Donc là, je vous ai simplifié le tout, donc je n'ai pas fait de recherche encore une fois, mais j'avais fait de la recherche. Il me dit qu'il y a une mise à jour qui a été faite. Il est en train de l'installer. Il nous reste plus qu'à vérifier est-ce que ça l'a bien installé. Donc allons dans ajout suppression de programme. La version 2010 est bien là. Elle est bien là. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne ou venez me voir sur mon blog, sur mon site au www.frbmg.com.